Tiens, salut, ça va bande de fous? Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, ça va être un petit vlog sympa des familles. Bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification. Et à mettre un petit peu de pouce bleu. Enfin, un petit peu, tu peux en mettre beaucoup. On va à Disney, je vous emmène avec moi? Non, c'est parti. Bande de fous. C'est bon, on est arrivé après 3 heures de route. On est arrivé à l'hôtel là. Du coup, ça pète. On a la chambre. Normalement, on l'avait à 15 heures. Et là, on l'a direct. Du coup, je vais vous faire une petite visite. Clac, 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 bim, boum. Voici ce qu'on appelle un placard, un lavabo. Bien évidemment, une. Mais la douche. Vous connaissez les gars, on est des geeks alors on se douche pas souvent. Là, le toilette. Impeccable pour faire des gros cacs. Et puis là, petite chambre au KLM. Si, si, toi-même, tu le sais peut-être pas. Que ce sont des lits pour dormir. Et on a une petite terrasse, bien évidemment. Bon, là, il pleut pas trop, mais ça va, ça passe. On a une toute petite terrasse, là, regardez, ça pète. Et puis là, après, derrière, il y a tout l'hôtel. Du coup, clac, 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 bim, boum. On va se préparer. Et puis, on va aller faire un petit peu les manèges, hein. Parce qu'on est quand même là pour ça. Et puis, on va aller voir Mika aussi, pour qu'il fasse un floss. Bon, bah, du coup, les gars, avant de faire les manèges, on fait les vrais petits touristes. Oh, regardez les Legos. Désolé, bébé. Regardez les Legos. Il est plus grand que moi, le bordel. What the fuck? Attention, petite séance. Bonté. De toute bonté. Tiens, comme tout bon touriste qui se respecte, les gars. Coucou. On va le faire plus. Oh, comment il s'appelle? Dingo. Oh, plutôt. Oh, de toute bonté. Tiens. Qui voit l'âge? Alors, Stitch, mettez des pouces bleus. Oh, merde. Oh, merde. Les gars, je crois qu'on n'a pas le choix, on va devoir passer par là. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce Trafalgar? Oh merde! Le dragon divin! Enfin, le peu que vous voyez. Oh, ça con! Tiens, ne serait-il pas là le premier attraction? Hashtag dangereux, hashtag pouce bleu. Oh ouais! L'éclairage est de qualité, dis donc! Salut Cendrillon. Coucou le copyright. Forcément les gars, vous me connaissez, je suis heureux comme tout. Plein de petits manèges, c'est génial. Par contre, le défi, ça va être de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas démonétisée. Parce qu'il y a tellement de musique de Disney que... Attention le copyright, messieurs, dames. Lâche mon rey, tu fumes la chiche. Putain les gars, je suis perdu. Les gars, je trouve plus la sortie. Putain. Oh mais merde. Ah c'est bon, ah, on a encore eu de la chance. Ouais. Ça sert d'aller à la salle. Putain les gars, no fake, je crois que je me suis vraiment perdu dans le labyrinthe. J'arrive plus à trouver la sortie. Mais putain merde. Mais c'est une blague. Je trouve plus les gars. Oh zé. Moi je vous reprends si jamais j'arrive à sortir. Et si ce vlog ne sort pas, bon c'est que je suis toujours à Disney dans le labyrinthe de Alice. Putain ça me gonfle, je suis fan de Winnie l'ourson les gars, mais c'est le seul Gugus que j'arrive pas à trouver. Genre ça fait 7 fois que je fais le tour du parc et j'arrive pas à le trouver Winnie l'ourson, ça me casse les couilles. Putain, j'ai vu tous les personnages sauf Winnie, ça saoule. Ça va ces 3 PO. C'est mon pote. Bon, c'est bon les gars, on va faire une petite pause manger. C'est pour ça que j'ai pas mon masque. C'est parce qu'on est en train de manger. Mais sinon, portez bien vos masques, bande d'offres. Ouais. Voilà. Ça vous intéresse? Bon, c'est bon les gars, on a fini de manger. Normalement, tous les youtubeurs, ils disent « Ouais, c'était vraiment trop bon, je me suis régalé !» Là, c'était dégueulasse. Hein. C'était dégueulasse, hein. On dirait les cheeseburgers, ils sont là depuis 7 jours. Et le crumble, là, cette chose-là, on dirait qu'elle est pourrie depuis 9 mois. Alors, c'était immonde, dégueulasse. Bon, on va faire des manèges maintenant, on va les vomir. Bon, c'est bon les gars, maintenant qu'on a super bien mangé... Hashtag gros mytho. Il pleut, donc c'est super, hein, c'est génial. Moi je viens deux fois à Disney dans ma vie, deux fois il pleut. Alors je sais pas si c'est moi qui suis pas doué ou si c'est la météo qui me kiffe pas. Mais sa mère l'hypopète, c'est pas cool. Du coup là on va rentrer à l'hôtel. Et bah du coup on va faire une après-midi détente, petite piscine, tout ça. En détente parce que on est avant tout là pour se détendre. Voilà, du coup je pense que je vais pas vous filmer cet après-midi. Je vais vraiment la jouer détente. Et je vous filmerai un petit peu ce soir le restaurant, tout ça. Et on reprendra demain, voilà, bisous bande. Ok, petit instant promotion. Je rappelle que j'ai un Instagram, c'est Swenito. Je rappelle aussi que j'ai un TikTok, le vrai Swen. Toujours faire sa pub, les gars, toujours. Les gars, du coup, sur le chemin de l'hôtel, tiens, on est tombé sur ça. Du coup, 1v1 contre ma copine au basket. C'est Tipar Bando. Ouais. Oh!
GG Batman. Les enfants, c'était 76. Vas-y, les vires. Vas-y, vas-y, dis tout. Du coup, n'hésitez pas, hein, on prend le temps à s'abonner si vous êtes nouveau et à mettre des pouces bleus. Ah, c'est imbattable. Problème constant, les gars. À 5 secondes, il y a le truc qui se lève. Oh, bien joué! Attends, je crois que ça va peut-être continuer. Si, 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 ça continue. Ouais, c'est la vie. Eh, tu peux me battre, là, bébé, hein? Oh merde, oh merde! Eh, j'ai que 76, moi! Bébé, 30. 30. Oh! Oh merde! Oh merde! Oh putain! Tu es championne! En fait, t'es les 100 points, bébé. Oh, t'es la meilleure! Vas-y! 100 points! Oh, t'es monstrueuse! Bien joué, bébé! Bon, du coup, les gars, c'est une défaite au basket. Par contre, on est mis à l'envers, moi. Donc, ça compte au minimum 30 points. Donc, en gros, j'ai 106, donc c'est moi qui gagne. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si c'est Hugo ou si c'est Marion qui a gagné. C'est moi! Mais c'est tu moi! Rigoles, quoi. C'est moi! Je l'ai mis à l'envers. C'est moi! Mais c'est bon, toi, tu manges pas souvent. Regarde ça, les gars. Ça y est, les gars, on vient de rentrer à l'hôtel et tout d'un coup, je viens de penser pour le basket, la deuxième manche, je me suis fait avoir, moi. Parce qu'il y a les 20 premières secondes où j'ai pas fait. Donc, on peut demander la VAR. Et là, qu'est-ce que je viens de me rendre compte? Qui c'est qui part à Disney pour faire un super vlog pour montrer à ses abonnés toutes ses folles aventures, mais qui oublie son chargeur de téléphone? C'est Bibi. Du coup, bah là, on va partir chercher un chargeur, enfin essayer. Et si jamais on trouve pas de chargeur, je prendrai le téléphone à Marion. Voilà, bisous. D'ailleurs, Marion qui a un TikTok, hein, n'hésitez pas, il est en description. Salut. Bon, c'est bon, les gars, opération réussie. J'ai trouvé un chargeur. Du coup, il y avait un centre commercial juste à côté de l'hôtel de Disney. Du coup, impeccable. Le vlog va pouvoir reprendre. Par contre, du coup, bah, va falloir que je charge mon téléphone avant quand même. Un peu con. Hein. Du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire un petit cinéma parce qu'il y a la 4DX. J'ai jamais essayé la 4DX. Du coup, ça va être l'occasion d'essayer. Oh, coucou, petite papesse. Du coup, on va essayer le ciné de la 4DX. Et puis voilà. Et je vous reprends bah, après le cinéma, comme ça je vous donne mes ressentis de la 4DX. Et ensuite je vous filme le beau château de nuit, ça va être magnifique. Voilà, salut. Effectivement les masques, ça c'est pas... Madame, c'est pas content là, hein. Zone rouge, zone rouge, ah, pas les masques, super. Petite péripétie du soir, bonsoir. Qui c'est qui a oublié les places de cinéma à l'hôtel? C'est Bibi. Qui c'est qui court? C'est Bibi. C'est bon, bande de fous. On vient de finir le cinéma. En vrai, la 4D, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Genre, il y a de l'eau qui t'éclabousse. Les sièges, ils bougent dans tous les sens et tout. En vrai, c'est stylé. Mais genre, je me taperai pas un film de 3 heures là-dedans, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, mec, t'en as marre. Du coup, bah voilà. Là, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, rendez-vous demain. Re-coucou. Putain, j'ai toujours rêvé de faire ça, les gars. Bon, du coup, jour numéro 2. Aujourd'hui, je vais utiliser mes yeux de sniper, autrement dit mes yeux de lynx, car je vois tout. Et on va essayer de trouver des personnages Disney. Donc là, ce qui me ferait kiffer, ce serait de trouver, vous savez, la meuf à Woody dans Toy Story. Donc celle-là, si jamais j'arrive à la trouver, ça pète et ma journée elle est refaite. Donc on va aller chercher par là-bas, là. On va aller voir là-bas et on revient. Je vous tiens au courant, les gars. Salut Woody! Merci! Putain, les gars, il y a la musique des indestructibles. Du coup, je pense qu'il y a les indestructibles dans le coin. Donc, vas-y, on va chercher. On va chercher partout. Mais 100%, ils sont par là, là. En plus, il y a pas mal de monde derrière moi. Donc, je pense qu'ils doivent être dans le coin. Ok, je vais me mettre à courir. Parce que là, c'est impossible. Putain, je vais les rater. Hein. Putain, je les vois pas. Ça casse les couilles. Les gars, c'est bon. J'ai trouvé Wendy, la meuf à Woody. Elle est là. Par contre, les indestructibles, j'y arrive pas. Les indestructibles, c'est vraiment trop compliqué. Donc, tant pis. Fuck. Buzz l'éclair. Rappel, Star Comment. Répondez, Star Comment. Tiens, 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 les gars. Mickey en sueur. Ok, attention, attention les gars, nouveau concept inédit sur ma chaîne. On va jouer au jeu de l'erreur. En gros, il y a une photo qui va apparaître et vous devez trouver l'erreur. Et là, tout de suite. Ok, bande de fous, on vient de terminer le Walt Disney Studios. Du coup, on a fait toutes les attractions. Dommage, j'ai pas pu vous enregistrer d'attractions. C'est chiant parce qu'on a pas le droit au téléphone dedans. J'avoue, je vais pas vous mytho, j'ai essayé de le prendre, mais je me suis tout le temps fait cramer. Du coup, impossible, impossible de vous prendre en vidéo. Du coup, là, on va aller manger vite fait au resto. Voili, voilou. Puis cet après-midi, on va terminer avec tout le côté Aladdin. Et puis ensuite, ce sera l'heure de rentrer, quoi. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Allez, c'est reparti. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, là, en fait, je vous parle, je viens de sortir une vidéo. Et en une heure, elle a fait 10 000 likes. Du coup, merci beaucoup. C'est parfait, c'est magnifique, je vous aime. Bon bah du coup les gars, on a opté pour un fast-food. Par contre je comprends pas. On s'est emballé comme ça. On va faire un petit peu en compagnie. Les frites, on fait comment en fait? Parce que moi ça a débordé un petit peu là, chef. Hein. Ça donne ça les gars, quand c'est sorti du sable. Je crois qu'ils se sont trompés. Hein. Je crois qu'ils en ont mis un petit peu plus là. Hein. Ouais, quoi de soigne pour avoir plus de frites dans les restos? Oh les gars, moi je rêve de ça depuis très longtemps. Je vais vous faire une balouse. Mm.
Ouais, c'est pas mauvais, hein. Quelle est ma sensation après ce doux repas? Oh, les gars. Oh, McDonald's surcoté. McDonald's, c'est surcoté de ouf, en fait. Hein. Vive Five Guys Burger and Fries. Je connaissais pas, et ben, pouf, comment ça se dégomme. Bon, bah, du coup, là, on va faire des manèges avec le ventre bien plein. Et l'objectif, ce sera de pas vomir, bien évidemment. What the fuck? Tiens, tiens, tiens. Ta gueule! Allez. Ok, c'est parti, petite séance manège. C'est parti, bande de fous. Si je perds ce téléphone, le bloc ne sortira jamais. Non, c'est bon, les gars, on vient de faire un petit train, c'était plutôt pas mal. En plus, même pas eu peur. Franchement, j'ai même pas eu peur. Bon, du coup, là, les gars, juste avant que ça se finisse, quand même, on va essayer de trouver Mickey. Parce qu'on l'a toujours pas trouvé. Et c'est quand même le personnage principal de Disney. Donc, on va laisser le faire, là, on va le trouver. Là, on est à Indiana Jones. Du coup, on va aller plus vers le château. Je pense qu'il est plus vers le château. Donc, là, on se dirige vers le château. À peu près, dans le bord. Petite pause manège juste avant que ça commence. Les gars, deuxième petite séance de manège faite, parce que j'ai eu peur. Pas du tout. Bon, les gars, c'est la fin de ce doux séjour. Ça t'aura plu, toi? Oui. Ta première? Oui, très bien. Pour moi. Et moi, comme toujours, en vrai, je trouve ça un petit peu surcoté, mais ça va. En vrai, ce qui fait chier, c'est les salariés. Soit ils sont de très bonne humeur et ils sont cool, soit c'est des vrais connards. Alors, en vrai, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Bien évidemment, si vous ne m'avez pas encore suivi sur TikTok, ainsi qu'Instagram, c'est tout en description. Bande d'info, les pouces bleus en l'air, bien évidemment, comme le SARS. Et moi, je vous dis à la prochaine, bande d'info.